Bon les filles, ça va être long. Vous posez votre canapé, hein. J'espère que vous avez fait tout ce que vous avez à faire dans votre journée et vous consacrez uniquement à ma vidéo. Allez, c'est parti. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Aujourd'hui nous nous retrouvons enfin. Ça fait quand même un moment que je n'avais pas tourné. Enfin j'avais essayé de tourner mais bon, à chaque fois ce fut un fail complet. Donc enfin je mets une vidéo en ligne dans laquelle, et je pense que cela va vous plaire étant donné que c'est un haul mode spécial Zara. Bon franchement je vais être honnête avec vous, hein, j'ai bien craqué sur le site, hein, autant pour le printemps que pour l'été, donc il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles et tout. Et pour être honnête avec vous, il y a vraiment de belles pièces en boutique et sur le site, et à chaque fois je craque quoi. Donc pour info, en termes de taille, je porte du chez Zara toujours la même chose, en pantalon jean du 42, en pantalon normaux, on va dire du taille L. Ça me va toujours, il y a toujours des sans faute. Pour les hauts, ça dépend de ce que je recherche. Quelque chose de loose, je prends du L. Si je veux quelque chose qui me sied bien, qui moule bien, je prends un M, voilà. Et en robe, ça dépend de la matière. Si c'est très élastique, je prends un M. Si c'est vraiment ample ou que la matière est vraiment assez rigide, je prends un L, voilà. Alors on va démarrer avec les robes. C'est une robe noire, mais vraiment toute simple, toute légère, pour l'été notamment. Pour un petit barbecue, une soirée voilà, à l'extérieur avec des sandales à talons. Cette robe noire qui est quand même plutôt courte, qui m'arrive à, on va dire, un peu au-dessous du genou, mi-cuisse. Donc elle est à manches courtes, elle est petit volant dessus. La matière du tissu est un peu à dentelle. Donc je la trouve vraiment mimi. Elle est trop mignonne. Donc je l'ai pris en taille, je crois que je l'ai pris en taille L. Donc voilà, parfait pour des chaudes et longues soirées d'été. Alors sinon, je me suis toujours interdit certaines tenues, notamment les robes moulantes blanches ou dans des tons vraiment très clairs, parce que c'est pas forcément flatteur, mais voilà, des fois j'ai envie de prendre des risques et je me dis au diable toutes les conventions et tous les critiques que je peux recevoir. Donc voilà, j'ai voulu prendre des risques et je ne le regrette pas du tout. Donc je me suis pris cette robe très longue à bretelles. Vraiment c'est pour l'été, c'est une robe côtelée avec des espèces d'effets de matière sur le, voilà, sur le tissu. Et elle est vraiment toute simple, elle est droite, un peu moulante. Donc pour ma part, moi qui ai du bis, je vais mettre ça avec un espèce de slip dénant, voilà, pour que ça soit plus joli. Mais je la trouve trop belle. La robe elle est au prix de, je crois qu'elle est à 17 euros. Je l'ai pris en taille M parce qu'elle est quand même assez ample et elle est élastique. Donc elle m'arrive un peu aux chevilles, portée avec des sandales plates ou des baskets. Et en tout cas, je la trouve très jolie cette robe. Voilà, pour l'été également. Toute simple, légère, mais en même temps pratique et féminine. Donc j'ai également pris en, dans une couleur un peu différente, du rose fuchsia. Je crois que c'est le premier article dans ma garde-robe dans ces tons-là. C'était risqué, à Paris très risqué même, mais finalement je trouve que elle est très très belle. Sur une peau noire, très foncée, bronzée, c'est super joli. Et je vais l'emmener au bled celle-là, donc elle est trop belle. Donc elle est au même prix, taille M. Je vous l'avais montré sur Instagram, Instagram Story, vous l'avez beaucoup apprécié, elle est encore dispo sur le site. Trop jolie. Alors l'ovni de mes achats, on va dire, c'est cette robe plissée, à rayures, avec des motifs, mais vraiment pas forcément super flatteur. Mais je vous avoue que quand je l'ai vue en boutique, et j'ai vu le prix surtout parce qu'elle est à 9 euros, je me suis dit je vais l'essayer. Donc elle est à manche longue, elle est très longue, elle arrive également en dessous du genou, et finalement portée, je l'ai trouvée très jolie. Donc voilà, je l'ai pris en taille L. Vous pouvez la porter avec une petite ceinture, voilà, pour essayer de donner un côté un peu plus centré, parce que la coupe est droite, donc ça peut flatter certaines silhouettes ou pas forcément mettre en valeur certains corps, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, sur moi, je trouve que ça fait super joli. Avec des baskets notamment, pour aller travailler, celle-là, je la porterai sans hésitation. Ensuite, cette robe, voilà, encore une fois, qui peut encore se porter ce printemps et également pour l'été. Elle est plutôt légère, mais pas trop non plus. Donc elle est à manches courtes, à rayures. Les rayures sur le site Zara, je pense que c'est super tendance là. Ils ne proposent que de ça. Donc elle est colvée devant, avec des boutons sur le devant. Elle est plutôt longue, longueur midi encore une fois. Et elle est froncée sous la poitrine. Donc voilà, elle a un effet un peu cintré. Donc elle peut... En tout cas, sur ma silhouette, ça fait plutôt bien. Donc je l'ai portée avec une ceinture la dernière fois. Mais je pense que la prochaine fois que je la porterai, ça sera sans ceinture. Vous pouvez la porter avec des talons hauts. Des sandales à talons, des baskets pour un côté un peu plus streetwear. Et je l'ai pris en...
Je les prends taille M parce qu'elle est vraiment très très large, très grande. Ça vous arrive des fois de faire des achats un peu what the fuck, vous l'achetez en boutique, vous la trouvez très belle dans les miroirs de la boutique, mais quand vous rentrez chez vous, vous regrettez un peu l'achat. Bah oui, moi c'est mon cas. Avec cette robe, je sais pas, je l'ai essayé une fois, je me rappelle plus ce qu'elle donne. La preuve, j'ai même pas encore le ticket. Donc c'est une robe à bretelles avec des motifs à pois. J'adore les motifs à pois, je trouve ça trop mignon. Donc elle est toute simple, je l'ai prends taille L, elle coûtait 17€. Elle est un peu serrée à la poitrine et elle est plus ample sur les cuisses. Donc voilà, elle, elle taille plutôt grand. Et elle m'arrive au genou. Donc je sais pas trop. Je sais pas si je vais la vendre ou la garder. Je sais pas comment porter ça. Voilà, c'est l'achat un petit peu what the fuck. Elle est jolie comme ça, mais quand je la porte, finalement, elle a moins de style. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà. Alors, on continue avec les indétrônables de l'été pour moi, les combinaisons Kobe Short. J'en ai trois à vous montrer. Le premier, c'est mon gros coup de cœur. C'est cette combinaison manche courte, cœur croisé devant. Le bas du. Enfin, le pantalon arrive un peu. C'est un peu un pantalon court, on va dire, un peu au-dessus des chevilles. Il est un peu à pince. Il est ample. Elle est ample cette combinaison. Je les prends en taille L parce que habituellement en combinaison Kobe Short, je prends toujours une taille au-dessus ou une taille vraiment. Faut que je sois vraiment à l'aise dedans. Faut pas qu'elle soit serrée, sinon c'est très laid. Faut pas que ce soit moulant, j'aime pas du tout. Et cette combinaison est trop belle. Donc c'est parfait pour l'été, pour aller à un pique-nique, pour aller à un mariage même. Je la trouve vraiment adaptée. Pour n'importe quelle occasion, ça le fait avec des baskets ou des sandales à talons. Voilà. Pour moi, c'est la pièce féminine à avoir dans sa garde-robe. Quand il fait beau. Ensuite, deux combi shorts, ça aussi, c'est sur des pièces indispensables pour moi. Donc, le premier, c'est ce combi shirt plutôt court, à volant, sur les manches. Donc, présenté ainsi, on dirait une robe, mais pas du tout. En fait, il y a une doublure en dessous. Ouais. Donc, c'est un peu une combinaison robe short. Voilà, donc elle est très légère, toute simple, avec des sandales, voilà, quand il fait plutôt chaud. La matière est très ample, plutôt souple, et je l'ai prise en taille L. Donc, voilà, je la trouve. Également toute simple et vraiment très jolie. Et mon coup de cœur également, c'est ce combi short. Voilà, la particularité de ce combi short, c'est qu'il est vert et que le vert, c'est une couleur. Pour l'été, c'est super beau, j'adore. Et c'est un vert vraiment vif que je trouve vraiment original et très joli sur ma couleur de peau. Donc il est plutôt très fluide, très ample. On est à l'aise dedans, on peut se mouvoir sans difficulté. Je les prends taille L. Il est à relief avec des petits imprimés devant, à fleurs et tout. Et comme ça on dirait une robe, mais pas du tout, c'est un short. Donc je les prends taille L. Il sort vraiment de l'ordinaire et voilà. En tout cas dans la rue on te remarque direct parce que la couleur elle est quand même. Elle est vraiment super belle. Voilà. Alors le premier le voici, c'est un taille haute, marron. Je crois que j'ai pas forcément beaucoup de vêtements dans ces tons là. Marron à petits pois blancs. Je vous ai dit que j'ai une petite. Un petit coup de cœur pour tout ce qui est à poids. Donc il est très ample, très très long, il touche le sol, donc faites attention de ne pas tomber avec. Mais il est très 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 beau, super élégant, avec un petit t-shirt tout simple et une veste en jean si vous voulez bosser avec. Ou sinon avec un débardeur plutôt fin, voilà, pour avoir un côté un peu plus élégant, avec des sandales à talons ou des baskets. Ouais. Celui-ci aussi c'est un coup de cœur, notamment par rapport au motif. Je vous ai fait un snap dans lequel je vous montrais, c'était un ensemble et... voilà, c'est celui-ci. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, je pense que pas mal de blogueuses, instagrammeuses le possèdent parce que je l'ai pas mal vu sur Instagram. Et j'avoue que je le comprends parce que la matière est trop trop belle, un peu imprimée ethnique comme ça. Il est très très long également, taille haute. Celui-ci il est un peu moulant quand je le porte, hein. Derrière voilà, ça moule beaucoup les fesses. Mais je trouve super joli. À la base, c'est un ensemble avec une espèce de tunique robe qui se met avec. Mais j'avoue que j'aimais pas trop en fait les deux ensemble. Je trouve que celui-ci c'est bien avec un débardeur noir tout simple. Là par contre, je trouve que c'est beaucoup plus joli. En tout cas sur moi, je préfère ainsi. Donc ce pantalon, je vais l'emmener au Sénégal je pense parce que il est trop trop beau. Donc voilà, je les prends taille L. Ah, mamia, waouh, trop beau. Ensuite celui-ci est beaucoup plus classique, hein, mais la couleur est quand même assez originale. Un rouge vif à l'état pur, hein. Donc il est taille haute, un peu à pince, très large, très beau, très élégant pour aller à un mariage, avec un petit débardeur de couleur un peu écrue, blanc, avec la dentelle dessus, des sandales dorées, voilà, c'est magnifique, voilà. Il me tarde de le porter, j'ai pas encore eu l'occasion, mais... Voilà, ça se passe de commentaires, la couleur est divine, le pantalon taille super bien, je trouve qu'il flatte vraiment les formes et ma silhouette.
je le recommande vivement, même s'il est un peu cher quand même. Il est à 49€, mais il est trop trop beau. Voilà, la matière est assez, assez épaisse, donc pour le printemps, pour l'été, c'est parfait. Et le dernier palazzo pantalon large que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est un pantalon motif floraux, la matière est plutôt satinée, beaucoup plus légère, donc ça, pour le printemps, encore une fois, s'il fait super beau, je vais le porter. Mais sinon, il est davantage adapté pour l'été. Donc celui-ci aussi, je l'emmène au bled. Très très joli, très léger. On se sent à l'aise dedans, c'est très féminin, c'est vraiment tout mignon. Voilà, ça flatte également la silhouette. Je le trouve très réussi et très joli. J'aime bien les couleurs noires avec des couleurs un peu rosées, orangées comme ça. C'est trop trop beau. S'il y avait une chemise avec dans les mêmes motifs, je l'aurais prise, je pense. Je pense qu'en ensemble, celui-ci, il serait super top. Voilà, donc avec un débardeur noir, je pense que je vais le porter. Ça sera tout simple et en tout cas... le pantalon fait la tenue, quoi, on va dire. J'ai un autre pantalon large à vous montrer, sauf que celui-ci, il est pas long. Il est plutôt 7/8, donc voilà, il se présente ainsi. La taille est élastique, il est un petit peu saturé avec un bouton devant. Je trouve ça très joli, c'est très mignon. Donc un petit poids noir, très ample et très joli. Donc celui-ci, il est pas cher, par contre, il est à 19€. Donc je vous le recommande vivement, je les prends en taille L, avec une petite veste en jean et des baskets. Je trouve que ça fait... c'est parfait pour aller travailler là pour le printemps. Une jolie tenue, ouais, des sandales, c'est comme vous le sentez. De toute façon, l'été, soit c'est des baskets, soit c'est des sandales à talons, soit c'est des sandales plates. J'arrête pas de le répéter, mais c'est bien de le rappeler, quoi. Voilà. Donc, je le trouve très simple, mais en même temps très joli. Ensuite, on passe au pantalon un peu rigide, taille haute. J'en ai pris plusieurs, 4. Donc, le premier, c'est celui-ci. La couleur est vraiment belle. Donc, ça, je sais pas, c'est quel. Un vert ou. Donc il est composé d'une ceinture intégrée dedans. On peut l'enlever, bien entendu, mais avec la ceinture, je trouve que ça fait beaucoup plus stylé. Les tailles hautes. Le bas du pantalon est à revers, il est un peu pantacourt, il est assez ample mais pas trop non plus, donc il est quand même censé être porté ample, hein, c'est pas un truc moulant quoi. Voilà, donc je vais vous montrer avec quoi je voulais le porter. C'est voilà, c'est assez particulier mais j'adore la couleur, j'adore la pièce, le pantalon est vraiment original et voilà. Donc je les prends taille L aussi et un autre dans le même style, mais celui-ci la matière est beaucoup plus légère, c'est un... Voilà, c'est un taille haute également. La ceinture cette fois-ci est intégrée, mais elle est sur le côté. La taille est élastique. La matière est très très légère. Notamment, ça explique un peu son prix parce qu'il est à 19€. Donc cela ne m'étonne pas. Le bas du pantalon est à revers également. Donc celui-ci avec un débardeur blanc. Je fais exprès de prendre un débardeur blanc. Moulant. Des sandales. Des baskets. C'est beau. En tout cas, celui-ci a un côté un peu sportwear, militaire, rose, streetwear. Là, je dis n'importe quoi, là, mais je pense que vous m'aurez compris. Très joli. Encore une pièce que j'adore et que je vous ai montrée sur Instagram. Vous avez été nombreuses à l'apprécier. C'est ce pantalon. On va dire un peu carotte. Taille haute, ceinture intégrée dedans, dans les tons un peu saumon. Je l'ai en noir aussi, mais je ne vais pas vous montrer noir. C'est un délire, mais bon, les noirs... on les a vus et revus. Donc celui-ci, pantalon à revers, plutôt court. La matière est ample, on dirait du... C'est presque du lin, assez épaisse. Je me rappelle avoir porté sur Insta avec un haut plutôt rouge. Donc, voilà, dans les mêmes tons, un peu rouge-orangeâtre. Donc voilà, je vous invite à le porter avec un haut plutôt rosé, rose fuchsia. Ça fera un joli, ça fait une jolie combinaison ou un camaïeu de saumon. Ça peut le faire un bel effet. Voilà, c'est parfait pour la saison. Voilà, je le trouve très joli pour aller travailler. Il est top. Ensuite, un autre pantalon un peu similaire avec le vert, le premier vert que je vous ai montré. Donc, voilà, il est dans les tons rose, pastel. La seule différence, c'est que le bas n'est pas à revers serré. Il est plutôt ample. Voilà, donc c'est assez particulier. J'avoue que quand je l'ai commandé, je n'avais pas remarqué cette particularité. Mais finalement, voilà, il se dissocie de l'autre et je trouve même encore plus original. Donc voilà, porter avec une chemise blanche longue, pour aller travailler, ça peut le faire, ça peut être pas mal. En tout cas, la matière est assez épaisse, il est très joli, il moule hein, en tout cas aux cuisses, je trouve qu'il moule bien les fesses, bien les cuisses et tout. Mais il reste en soi vraiment très 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 joli. Donc j'adore la couleur, sur ma couleur de peau ça peut faire très bien, donc il m'est tard de le porter. Je crois que je vais porter tout ça cette semaine ou la semaine prochaine, mais en tout cas voilà ce que ça donne. Ensuite on passe au petit top comme ça. J'en ai pas énormément à vous montrer mais bon vu le haul, voilà, hein, on va dire que c'est pas très grave. Donc cette chemise oversize, donc la matière est très très fine, très légère, très souple, très douce. Donc elle est de couleur vert un peu, vert marée, je
sais pas si ça dit comme ça, vert kaki. Donc je l'ai acheté parce que je voulais faire une espèce de tenue, un camaïeu de vert avec le pantalon, pantalon vert taille haute et tout. Je trouvais que ça faisait super bien ensemble. Donc vous pouvez également le porter avec un jean tout simple, un slim ou un pantalon large, comme vous le sentez. Mais elle est parfaite là pour le printemps, pour l'été, je la trouve très légère et la couleur est très jolie. Voilà, donc je les prends taille L également. Les manches sont longues, elle est très grande. Voilà, mais voilà, ça peut faire un superbe style. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de cette pièce également. Alors on continue avec les tops. Alors là c'est trop marrant parce que ce top, je vous l'ai montré sur Instagram. Ce blouson, cette blouse, je vous l'ai monté sur Insta direct. Je vous avais dit que j'allais pas la prendre, que j'étais pas venue pour ça, que j'étais juste là pour autre raison. Et finalement, bah, je vous la montre aujourd'hui parce que j'avais craqué ce jour-là. Donc voilà, c'est une blouse un peu bohème avec des pompons devant qui nouent un peu le décolleté, un peu ouvert. Les manches sont vraiment amples, bas et amples, très fluides, très légers. À porter avec un short en jean, je pense que c'est la meilleure combo qui soit, en tout cas pour moi. Lorsque je l'ai vu, je me voyais bien le porter avec un short en jean. C'est ce que j'ai fait, je trouve que ça va super bien ensemble. Donc celle-ci aussi, je vais la emmener au bled, elle est très légère, taille L, très ample et très belle. Les couleurs, les imprimés dessus, je trouve ça trop, mais, très joli et tout. Donc, voilà. Et on termine avec les jeans. Chez Zara, je ne prends, et maintenant pas que chez Zara, mais partout, je prends que du taille haute, c'est parce que c'est ce qui est le mieux à mon ventre. Je trouve que voilà, ça tasse un peu, ça affine, ça gagne mieux mon corps, donc voilà, et ça me réussit plutôt bien. Donc voilà, il se présente ainsi. C'est un jean couleur gris anthracite. Par contre la coupe est un peu différente, c'est pas un slim, c'est plutôt un jeans mom coupe droite. J'avoue que ça aussi j'aime dorénavant davantage. Je trouve que c'est pratique, c'est joli, tu peux mettre ça, tu peux mettre tes t-shirts dans ton jean, chemise dans ton jean, et puis ça fait super stylé quoi. Donc avec des baskets ça le fait, des talons aussi, voilà, c'est passe-partout pour aller bosser. Voilà, c'est le genre de jean que je porte tout le temps. Celui-ci je crois que je l'ai fumé d'ailleurs, donc je le trouve vraiment bien. Donc je le prends à 42, à porter avec un débardeur comme ça, c'est tout simple, un petit blazer. Donc voilà, il est plutôt réussi, et les jeans chez Zara en général, je suis rarement déçue quoi. Donc moi je vous invite à les essayer parce qu'ils sont vraiment bien. Le dernière pièce, c'est pas forcément ce que je voulais commander à la base. Donc voilà, c'est un jean blanc. Donc je voulais un jean blanc, je l'ai eu, je trouve la coupe parfaite. C'est une coupe droite, pantalon, enfin il m'arrive à un peu plus, enfin aux chevilles, donc il est plutôt court, c'est ce que je voulais. Cependant il reste un souci, c'est qu'il n'est pas taille haute du tout, il est plutôt taille basse. Donc je vous avoue que quand je l'ai essayé j'étais un petit peu perdue, et finalement voilà, on peut l'associer différemment. Donc tu peux mettre ton débardeur dedans, c'est juste que tu le fais un peu tomber histoire que le ventre soit un peu caché, ou mettre ça avec un sweat, avec une chemise en jean, ça peut faire vraiment super joli. Et finalement bah, je vais le garder parce que il est vraiment chouette. Donc je vais prendre taille 42, coupe droite, plutôt court en bas, pantalon un peu saut de fuitienne, il est vraiment bien. Et voilà, le pantalon blanc pour l'été, c'est une pièce aussi indétrônable. Il n'est pas forcément... il est quand même difficile à porter, mais quand on a trouvé la bonne combinaison, on ne le regrette pas. Ça fait quand même super classe, ça fait très joli. Moi également, je ne le regrette pas. Voilà. En parlant de blazer, celui-ci, je vous l'ai montré sur Insta. Je l'adore, et vous aussi, vous l'avez beaucoup apprécié. C'est celui-ci dans des tons... dans les tons verts. Voilà, vert, vraiment vert vif, hein. Donc ça va dire que c'est plutôt un blazer à porter au printemps, même si on peut le porter à d'autres saisons, hein. En tout cas pour les mi-saisons il peut être pas mal. Donc il est manche 3 quarts et il est très beau. Donc voilà, avec un débardeur et un jean, voilà, vous avez une tenue semi-décontractée, semi-classique, semi-stylée, semi-moderne, bref, comme vous le sentez. En tout cas c'est une pièce que vous pouvez associer avec beaucoup de vêtements, des vêtements beaucoup plus décontractés que des vêtements beaucoup plus sophistiqués. Donc ce blazer je le trouve super joli. Donc je les prends en taille L celui-ci. Je crois que j'ai en plein de couleurs, en noir, je l'ai en rose pastel, je l'ai en blanc, je l'ai en jaune. Voilà, les blazers, voilà, investir au moins dans un blazer, voilà, ça va vous changer la vie. Niveau tenue, niveau effet, ça change la donne, enfin, mais vraiment. Et la dernière fringue que je ne vous ai jamais montrée dans un haul jusqu'à présent, et qui est
un nouvel investissement pour moi. C'est une veste en jean. Voilà, donc voici comment elle se présente. C'est une veste en jean plutôt grande, oversize, longue. J'en ai jamais possédé de ce genre-là. Je pensais que c'était vraiment que pour les jeans. Souvent, je le vois, ma soeur, elle en porte tout le temps, ça lui va super bien. Mais j'avoue que quand je le voyais sur moi, pour moi, c'était pas possible. Je trouvais ça pas forcément super très moderne. Et en fait, je trouve que c'est voilà, un indispensable également à avoir dans sa garde-robe. C'est une veste que je trouve vraiment parfaite pour le printemps-été. À porter avec des robes longues, des tenues plutôt, plutôt légères, ça se combine bien. Voilà, surtout, ça tient chaud. Voilà, pour le printemps, attention. Je trouve que ça fait un beau style et tout. C'est une pièce qui se réinvente à chaque année et tout. Il y en a des courtes, des longues. Mais là, cette longue-là, je trouve que sur moi, ça fait vraiment un joli style. Donc moi, je l'ai porté avec un débardeur et un jean. Un jean dans les tons noirs. Et je trouve que ça faisait bien. Ça faisait pas total look jean, quoi. Ça faisait pas trop ringard. Ça se portait bien. Ça faisait moderne. Et en même temps, c'était stylé et en même temps décontracté. Sans trop en faire, quoi. Donc je la garde, je l'adore et je valide quoi. Donc je les prends taille L, je crois que c'était en taille L que je l'ai prise. Non, taille M pardon. Donc voilà, il me semble qu'il y avait que la taille S et M sur le site. Donc voilà, mais elle est très très grande, oversize et tout, et elle taille plutôt bien. Donc vraiment, je l'adore, je la porte presque tous les jours, donc je kiffe quoi. Et on termine avec les accessoires, j'en ai deux à vous montrer. Le premier, c'est ce petit sac bandoulière en raffia, vraiment tout simple. C'est vachement tendance en ce moment, souvent surtout le rond, voilà. Mais je voulais un petit peu casser ce qu'on peut voir souvent dans les magasins ou dans la rue et tout. Et je trouve que le carré, je le trouve beaucoup plus, enfin, je le trouve bien, je le trouve plus original. Donc la bandoulière, c'est une chaîne tout simplement, et je le trouve vraiment top quoi. Donc le seul inconvénient que j'ai rencontré avec ce sac, c'est justement la bandoulière qui a tendance à se détacher. Donc tu le portes, t'es dans la rue et le sac il tombe par terre parce que ça s'est dégrafé quoi. Donc je sais pas comment faire pour justement maintenir, avoir du maintien ici, il faut pas que ça se détache à chaque fois. Mais sinon voilà, c'est parfait pour l'été, il est tout simple, plutôt solide et tout, et très joli. On termine avec ces chaussures. Donc cette fois-ci ce ne sont pas des baskets que j'ai pris. J'ai pris le risque de commander des chaussures un peu plus féminine sur le site Zara. Il propose du 42 uniquement sur le site, pas en boutique. Moi j'en ai jamais vu, à chaque fois on me dit mais il y a du 42 en boutique, dites-moi où, parce que j'en vois jamais. Même à Rivoli je m'y suis rendue, j'ai rien vu, à Opéra également, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc celles-ci, ce sont des sandales ouvertes, tressées sur le devant. Je les trouve trop belles et elles me vont parfaitement. Donc je les ai prises en taille 42, le talon c'est du 7 cm et demi, pardon. Et trop joli, donc à porter surtout plutôt en soirée, parce que pour aller travailler ça, je pense pas que ce soit recommandable et recommandé. Mais regardez-moi ça, regardez-moi la couleur est trop jolie, une espèce de cuivré bronze, c'est super sur ma couleur de peau, c'est vraiment estival, c'est super élégant et c'est tout simple à la fois. Donc je recommande vivement. Elles sont même pas très chères, elles sont à 29 €, donc je les trouve super ici. Tu peux marcher avec, elles sont pas très hautes, j'adore, voilà, parfait pour l'été, avec des jeans, des robes, des shirts, ça se combine avec tout, voilà. Donc je valide également la paire de sandales, elle est super belle. J'allais vous quitter, mais je me suis rendu compte que je portais également du Zara et que il faisait partie du haul. Donc le premier article, c'est ce t-shirt jaune, mais tout simple, voilà, avec des petits imprimés devant, enfin en tout cas un dessin devant. Il est vraiment tout simple, mais je l'ai mis surtout pour, par rapport à sa couleur, bien entendu. Donc il est au prix de 9 €. Je l'ai pris en taille M et il est vraiment bien. Et mon coup de cœur va pour ce short. Attention, je vous le montre. C'est un short taille haute. Voilà, j'ai encore le ticket dessus. Vous pouvez, comme vous pouvez le voir. Mais regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi ça. Donc vraiment, j'adore. Donc vous pouvez mettre le t-shirt dedans pour un effet un peu plus voilà, un peu plus stylé. Mais en tout cas, il taille bien. Donc je l'ai pris en taille 42, comme vous pouvez le remarquer. Et c'est vraiment tendance pour cet été, avec le bas du short à revers et tout, donc je l'adore. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit, tout montré. Ce haul sera certain. Donc quand vous voyez un haul mode sur la chaîne de Coco Chanel, c'est que forcément
vous allez y rester une bombe. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. Je commence à m'y habituer. Je pense faire un autre haul, faire un ou deux autres haul mode, parce que j'ai envie d'en faire, donc il y en a, ça va les saouler. Faire quand même que je fasse des vidéos beauté. Mais non, en ce moment, non, j'ai envie de parler de mode, voilà, de fringues et tout, c'est plus mon délire. Et puis voilà, ça va être un haul sur plusieurs, pas du Zara, parce que le Zara j'arrête, mais voilà, ça va être intéressant. J'ai de belles pièces à vous montrer, notamment sur Forever 21, j'ai découvert la boutique en ligne, et il y a des superbes choses dessus, Mango, H&M et tout, voilà. Donc j'en profite pour remercier le site Filmora qui m'a envoyé le logiciel de montage de vidéos, et qui, vous verrez, promet quand même des vidéos de meilleure qualité, et un montage vidéo beaucoup plus rapide. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Je pense que je vous ai tout dit, dites-moi ce que vous avez pensé de ce haul dans les commentaires. Sinon, on se retrouve très prochainement. Je suis désolée pour ce manque de fréquence dans mes vidéos, mais là, je pense que je vais reprendre un rythme un peu plus stable. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires si cette vidéo vous plaît, des pouces positifs si cette vidéo vous plaît. On se retrouve bien entendu sur Snapchat, Instagram. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.